Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on fait un skyblock, mais contrairement à tous les autres youtubeurs où devaient essayer de survivre sur un bloc, nous on doit survivre sur zéro bloc. On est attaché à des ballons les amis, et il y a plein d'autres montgolfières comme les miennes qu'on va pouvoir explorer. Et d'ailleurs je crois que je vois autre chose en bas, peut-être une maison, on va aller voir ça les amis. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte vraiment sur vous aujourd'hui, je sais je le dis tout le temps, mais là hop, ça coûte rien vous savez, et c'est mon rêve d'atteindre le million d'abonnés. Je vous jure, c'est, si vous pouvez réaliser mon rêve, ça serait incroyable les amis. Là il y a les cadres de 100 000, mais je veux le cadre d'un million les potes, je veux le cadre d'un million. Donc abonnez-vous à en balle, je fais des vidéos tous les jours depuis, ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur YouTube, et ça serait mon rêve pour les 10 ans de YouTube. Ce sera en mars 2023 d'avoir le million d'abonnés, ce serait dingue. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Bref, du coup les amis, regardez où on est. Là on est dans une montgolfière. Alors il y a des montgolfières de tous les types, et on va essayer de rejoindre la maison. Oh regardez, ok, je sais comment je peux contrôler le truc. Donc tu regardes en bas, tu descends, tu avances comme ça. Oh là voilà, tu regardes en haut, tu montes. D'accord, d'accord, ok, c'est pas très maniable. Mais bon, il y a tout qui est en train de voler en même temps. Hop, hop, tu te débrouilles comme ça. Oh, c'est bon, je suis posé. Oh là, non, attends, je suis posé. Non, non, attends, je suis pas posé, frérot, je suis pas posé. Là, je suis posé. Non, attends, parce que si je fais sneak et que j'allais tomber là, j'allais tomber dans le vide. Ok, très bien. Alors, click to spawn a new balloon. Ah, d'accord, ok, si je fais tomber. Alors, fais voir. Fais voir si je fais tomber le. Oh merde. Ah ouais, là, ce serait cocasse là. Et là. Ok, il y en a un nouveau qui spawn. Et là, c'en est. Là, j'en ai. Ah oui, ok. Ah, c'en était un rouge. Attends, j'en veux un rouge moi. Ah bah un orange, super. Donc les amis, on est dans la maison de là-haut, ça me termine, c'est trop bien. C'est la maison de là-haut. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Il y a un seau d'eau, un seau de lave, il y a quelques blocs. Très bien, très bien. Ici, il y a déjà deux fours, il n'y a rien dedans. Ici, il y a du pain, encore un seau d'eau et un seau de lave. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? À l'étage, il y a une chambre à coucher avec des lits. Oh, il y a deux coffres. Oh, un diamant. Ok, du pain, une pioche en diamant. Très bien, très bien. Et là, on a plein de bibliothèques avec du lapis et tout, donc de quoi faire des enchantements. Ok, très très bien. Donc les amis, c'est super. Et en plus, ce qui est encore mieux, c'est qu'en vrai, on n'a pas besoin de faire... si on veut agrandir notre île, on peut miner des blocs. Mais là, il y a tellement... Regardez, on peut faire ça et tout. Mais là, il y a tellement de montgolfières. D'ailleurs, il y en a jusqu'à très loin où c'est moi. Il y a tellement de montgolfières. Et surtout on a notre engin pour voler. On n'est pas obligé de se faire on n'est même pas obligé en fait de poser des blocs partout. Là je me fais une petite plateforme. On se fait une petite plateforme d'atterrissage, ok. Voilà, c'est la petite plateforme d'atterrissage. On met ça là, tac tac tac. Et on va mettre de l'eau au cas où on tombe. Je vais faire tac tac tac. Voilà, je fais ça. Je fais ça, voilà, je vais mettre les deux seaux d'eau ici. Comme ça, au cas où on tombe, il n'y a pas de souci. Allez, go les amis, on va aller voir. Alors, il y a celui au fond là. Attends, le creeper, il peut être pas mal. Le creeper, il y a quoi? Oh, mais comment tu veux que j'atteigne là, en fait? Oh, il y a un spawner. Il y a un spawner. Attendez. Il y a un spawner. Ok, je me suis posé, mais j'ai peur. Non, les gars, si je tombe là, c'est fini. C'est fini. Vous avez vu ou pas, il y a un spawner, il y a un coffre. Je vais ouvrir le coffre si j'y arrive. Je sens que je vais pas y arriver. Ah, je peux pas l'ouvrir là. Il faut que j'y arrive. Alors attendez, je vais monter comme ça. Voilà. Et là, non, je suis tombé dans le vide. Ok les amis, j'ai réussi à me poser, mais malheureusement j'ai perdu tout mon stuff. Donc on va voir si on peut pas se refaire un petit peu de stuff. Et là, on a des furnaces. Et on a un spawner à creeper. Donc on repart, on va aller sur d'autres montgolfières les amis. On va faire celle la vache là, comme ça. Attends, il y a des trucs là. Là il y a quelques trucs, mais ça va. En fait il faut bien rentrer à l'intérieur. Faut bien, tu vois, là c'est pas assez. Là, oh là, voilà, on l'a traversé carrément. On l'a traversé. Voilà, voilà. Allez hop, voilà, super. Oh, faut pas qu'elle tombe ma montgolfière. Et là on a tout, regardez, on se refait du stuff. En fait on dirait à chaque fois. Là pour la vache on a de la nourriture. Pour les creepers on a des TNT. À chaque fois c'est ça. Peut-être pour le poulet aussi il doit y avoir des trucs sympas. Ah, pour les villageois il doit y avoir des trucs de ouf. Il doit y avoir des trucs de ouf pour les villageois. Ah ouais, pas con, pas con. Pas con, ok, on se dirige. Oh, il y a un spawner à poule. Jure, il y a un spawner à poule.
Ok, il y a un spawner à poules. En fait, il leur faut de la terre pour spawner. Trop bien. Trop bien, trop bien. Est-ce que là, si... Oh. Ok, c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire. C'est une très mauvaise idée. Et oh, il y a une poule qui a spawné. Non, ne pousse pas ma montgolfière, toi. Allez, je me taille, les amis. On va en faire une autre. C'est parti. Il y a celle-là, c'est le creeper. Attends, il y a le Wither Skeleton. J'ai peur du Wither Skeleton, mais on va tester. C'est trop bien, on est sur une montgolfière, les gars. On fait un skyblock, c'est incroyable. Allez, 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 allez. Hop, hop. Allez. J'ai peur, là, je vais... Voilà, super. Et là, j'ai une épée. Ok, j'ai une épée, j'ai du charbon, c'est pas mal. On n'en a pas du charbon habituellement, là, donc c'est super. Et... Alors, pourquoi je peux pas rejoindre? Si, c'est bon. Allez, on est reparti. On est reparti. Il y a le pillager là qui m'a l'air pas mal. Il y a un blaze. Il y a un cochon. Il y a un mouton. Il y a un enderman. Il y a... Là-bas, j'arrive pas à voir. On dirait un... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Il y a une araignée. Il y a une araignée. C'est trop bien. Faut tous les faire là. Non, non, non. Remonte, remonte. Ouais, redescends. Voilà. Hop. C'est bon. Ok, j'ai trouvé la technique. J'ai trouvé la technique. Oh! Ah, je peux pas. Pousse-toi un peu. Je peux pas l'ouvrir le coffre. Ah mais c'est l'épée en fait. C'est l'épée qui me va pas. Oh, il y a des émeraudes. Il y a des enderperles, une arbalète et un livre épine 2. Ça c'est pas mal le livre épine 2. J'aime bien. Allez, on repart. On n'a pas fait le villageois. J'ai envie de faire le villageois. On va voir ce qu'il propose. À mon avis, je pourrais lui échanger des trucs. Et en fait, c'est que des spawners. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si je veux faire une vraie aventure Skyblock, là je peux y aller. Hop, et c'est des énormes montgolfières. Et moi je suis là avec ma petite montgolfière. Je suis vraiment le papy dans là-haut là. Super, donc on a eu des carottes. On a eu tout ce qu'il faut. On a même, vous avez vu, on a un brewing stand pour faire les potions. On a même des trucs pour faire les potions. Là il y a deux, regardez, il y a deux Enderman. Ça m'intrigue ça. C'est... Ah, mais c'est quoi ça, sérieux? Je comprends pas ce que c'est ça. On va d'abord faire le squelette qui est là, on l'a pas fait. On va faire dans l'ordre pour le coup. Et j'ai envie de me garder un peu de tu vois, le truc après pour la fin, là. Là, il y a quoi, ici? Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va aller sur le truc. Juste après, on va aller sur le truc de l'Enderman. Oh, j'ai failli tomber. Oh, arc, power. Ok, on a un arc, super. Super, tac. Alors maintenant, à votre avis, il y a quoi dans les trucs d'Enderman? Pour moi, il y a des pierres de l'End. Et il y a des Enderperles. C'est sûr. Oh, c'est un vrai portail de l'End. Il faut... Ah! En fait, c'est un vrai portail de l'End. On peut aller dans l'End. D'où l'œil que j'ai ici, en fait. D'où l'œil... Ah, yeah, basmati, way, way. Ok, ok, ok. Non, 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 non. Hop là. Ok. À chaque fois, je suis à deux doigts de me louper. Vous avez vu, œil de l'Ender, cristal d'améthyste, cristal de l'End. On a des yeux de l'End. Attendez, mais je crois qu'on peut activer le portail, là. On peut activer le portail. Attendez. Hein? 2, 3, 4, on peut activer le portail. Les amis, on active le portail ou pas? On active. Eh, moi je suis bouillant pour activer le portail hein. Je suis bouillant pour activer le portail. Il y a des ruches. Ça c'est cool, il y a des petites ruches. Là il y a le cochon dégueulasse. Attends, il y a l'araignée qui est en haut, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ça, je me balade avec ma petite montgolfière. C'est trop stylé. Là je pense on aura des yeux d'araignée dégueu. Et voilà, je pense on n'aura pas grand chose d'autre de plus à part... Ouais, voilà, des yeux d'araignée, des toiles, etc. Ok, ok. Alors, tac, on repart. On en a plus beaucoup à faire. On a le zombie, le blaze, le cochon et celui qui est en bas. Je ne vois pas. C'est... Ah oui, c'est le cochon. Ça, c'est le cochon des... C'est le... Comme le pigmen. Oh, il y a de la netherite. Il y a de la netherite. C'est trop bien, ça. C'est trop bien qu'il y ait de la netherite. Oh, tombe pas, tombe pas. Tombe pas, frérot. Tombe pas. Voilà, c'est bon. Oh, on a plein de trucs en or, ok. Oh, on a des élytras. Mais les élytras, c'est trop bien. Ok, on a des élytras. Super, j'avais pas vu qu'on avait des élytras. On va faire le zombie. Après, il y a le blaze. Et après, je crois que c'est bon. Il y a le cochon. Mais le cochon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Le zombie, il y aura de la vieille viande de zombie, là. En tout cas, ils ont pris le temps de faire des spawners de tout. Hein. Ils ont pris le temps de faire des spawners de tout. Et je... Oh là, c'est pas mal. Ah, c'est tellement pas maniable. C'est tellement pas maniable, je vous le dis là, c'est un truc de ouf. Oh, what, c'est quoi ce disque? Première fois que je vois un disque pareil. Ok, très bien. Le blaze, le blaze, le blaze, on y va. The blaze. Le blaze, à mon avis.
Attends, puisque ça spawn dans les airs, les Blaze, ils vont pas m'attaquer là, le Blaze. Ils vont pas m'attaquer, rassurez-moi. Rassurez-moi, s'il vous plaît, les amis. Allez, on descend. On descend. Bah, mon golfière va tomber dans le vide. Ouais, il y a juste des boules de feu, d'accord. On peut les jeter, celles-là? Est-ce qu'on peut les jeter comme ça? Non, on peut pas. Je crois que j'ai trop joué au Bedwars. On se taille. Il y en a un qui a spawn, j'avais raison. Oh, j'ai eu chaud. Ah ouais, j'ai eu trop chaud. Ok, donc vas-y, on va là maintenant. On va là voir ce qu'il y a. Il y a un petit spawner à cochon. Il doit y avoir des côtelettes et tout. Hop. Bon, ça, c'est pas la meilleure montgolfière hein, pour certains, les amis, c'est haram. Mais. Ok, flèche de régène. Ça donne de la régène en tout cas. Ça, c'est bon à savoir. Ok, et vas-y, moi j'ai envie d'aller direct dans. J'ai envie d'aller direct dans l'end là, voir ce que c'est. Est-ce que le portail de l'end s'active? On verra bien, les amis. Et vous savez quoi? Si le portail de l'end s'active pas. Oh merde. Attends, on va se mettre là. Tac. Tac, j'ai pas envie de tomber maintenant. Voilà. Allez, c'est pas grave. Hop là, c'est ciao les amis. J'ai plus aucun moyen de rentrer à partir de maintenant à la maison. Donc vous savez quoi? Si là j'active et ça s'active pas, eh bien la vidéo va se couper tout de suite. Et si ça s'active, bah je ferai un petit outro. Donc déjà, oubliez pas de mettre un pouce bleu, oubliez pas de vous abonner. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh, ça s'activait! Bon bah voilà les amis. Bon, on a fait le tour de cette map vite fait. Si vous voulez faire une survie, c'est une map qui est payante sur le marketplace. Donc voilà, mais voilà, moi je voulais faire une petite découverte, c'était sympa. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petites shulkers, j'aurais dû aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bref les amis, je fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao ciao.